1er juillet 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Descente du ministre des Infrastructures et des Transports à Guinée pour constater l'état d'avancement des travaux de réhabilitation du pont qui s'est effondré il y a 2 jours sur la route nationale interétat numéro 2 entre Kandi et Malanville. Accompagné du préfet du département de la Liborie et du maire de la commune de Malanville, le ministre Hervé Héromé se veut rassurant quant aux mesures prises pour la réhabilitation de ce pont stratégique pour le transport des personnes et des biens entre le Bénin et les pays de l'Interland. Et pendant ce temps, un autre ministre, notamment celui en charge des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, était sur quelques sites de correction des copies de composition du BEPC session de juin 2022. Le ministre est allé constater les conditions de travail des correcteurs. Les candidats seront très bientôt fixés sur leur sort. Dans ce journal, nous parlerons également du projet Partenariat mondial pour l'éducation PME Bénin. Ce projet conçu pour riposter contre la COVID-19 dans le secteur de l'éducation est venu à terme le 30 juin 2022. Et pour les parties prenantes, l'heure est au bilan des activités qui ont meublé les 18 mois d'action sur le terrain. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Ouvrant ce journal par les nouvelles de Malanville, les travaux de réhabilitation du pont de Guinée effondré sur la route nationale interétat numéro 2 ont reçu ce jeudi la visite du ministre des Infrastructures et des Transports. Hervé Héromé était accompagné du préfet du département de la Liborie, du maire de la commune de Malanville et des cadres de son ministère. Sur place, le ministre rassure et annonce les mesures prises. Les décisions, les précisions avec René Soglo. C'est une situation maîtrisée. Le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Héromé, fait part de sa satisfaction suite à la réhabilitation du pont de Guéné à Malanville. C'est suite à cette descente sur le site de l'effondrement du dallo situé sur la route nationale interétat de Béroubouet-Candi-Malanville ce jeudi 30 juin. Nous avons enregistré l'effondrement de l'ouvrage ici qui est un dallo. Un dallo en voûte, voûte en maçonnerie, prolongé par un cadre béton armé. Plutôt, nous nous sommes mobilisés, mes collaborateurs, l'entreprise, la mission de contrôle, pour rétablir la circulation. Je voudrais féliciter tous les acteurs. Pas de souci à se faire, toutes les dispositions sont prises pour faire face à la situation. D'ailleurs, souligne le ministre, ce dallo qui a cédé à la suite de fortes pluies fait partie d'un ensemble de 110 ouvrages pris en compte dans le cadre des travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Béroubouet-Candi-Malanville en cours. Il s'agit d'anciens ouvrages, des ouvrages qui datent d'une certaine époque. Et tous ces ouvrages-là doivent être démolis et reconstruits. Et vous avez bien vu que nous avons commencé à partir de Béroubouet là-bas, les ouvrages ont commencé. Et donc nous allons le faire jusqu'à Malanville. Les 64 ouvrages qui restent seront exécutés. Et je voudrais rassurer les Béninois, rassurer les usagers de cette route, qu'ils soient Béninois ou étrangers, que ce tronçon est en chantier et que nous allons mettre un accent particulier sur les ouvrages critiques pour voir avec l'entreprise comment est-ce que nous allons traiter rapidement les ouvrages critiques pour éviter que nous ayons des situations du genre. Le patron des transports annonce aussi la mise en place d'une équipe de veille pour anticiper toute autre catastrophe. Nous allons à présent parler de la session ordinaire de la conférence administrative départementale du Mono au titre du second trimestre de cette année. Au menu des assises, le point de la tournée gouvernementale contre la cherté de la vie et la consommation des crédits délégués dans le département. La session ouverte ce mercredi à Lokossa a permis aux participants d'être informés de la mise en place dans les prochains jours d'une coordination de suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de la tournée gouvernementale dans le département. Nous allons suivre. La nouvelle périodicité de la conférence administrative départementale CAD oblige, c'est ce mercredi 29 juin que les membres des structures déconcentrées de l'État du département du Mono se sont réunis en session ordinaire au titre du second trimestre. Sur leur table, comme sujet-objet de communication et de débat, le point de la tournée gouvernementale contre la vie chère dans le Mono. Nous avons déjà programmé le point de la tournée gouvernementale. Avant que hier nous n'ayons tenu une réunion au sommet,
présidée par le ministre d'État chargé du plan, pour mettre en place au niveau de chaque département une structure de coordination, de suivi des mesures prises par le gouvernement. Il a été noté au plan national que malgré les efforts que le gouvernement consent chaque jour pour améliorer et faciliter les conditions de population, qu'il y a une certaine résistance qui est constatée de part et d'autre. Et donc, pour corriger ce fait, il a été instauré dans chaque département une sorte de brigade mobile chargée de suivre, de faire le tour des contrôles inopinés dans tout ce qui est coin de vente, de distribution, pour voir si ça se respecte ou non, et dans le cas échéant, prendre les sanctions qu'il faut. À la suite de l'annonce de la mise en place d'une structure de coordination, de suivi des mesures prises par le gouvernement pour soulager les peines de la population béninoise dans chaque département, les membres de la CAD ont eu droit à une communication sur la consommation des crédits délégués dans le département. Un point a été fait à ce niveau également. Même si nous notons une très faible performance, pas forcément due aux structures, mais plutôt aux réformes intervenues sur la chaîne de dépenses et de fonctionnement national à travers les réformes enregistrées au niveau du ministère des Finances, la mise en place de deux nouvelles plateformes qui ne facilitent pas encore forcément l'exécution rapide des activités. Une communication sur l'utilité de la protection des données personnelles est venue mettre un terme aux échanges. Restons dans le département du Mono, mais cette fois-ci dans la cité balnéaire de Grand Popo qui a abrité ce mercredi un atelier multisectoriel d'identification et d'évaluation des besoins d'utilisation du numéro personnel d'identification par différents services publics. Organisé par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, cet atelier est financé par la Banque mondiale à travers le projet OURI. Il s'agit pour les participants de réfléchir sur l'interopérabilité des services avec le registre national. Reportage. Cet atelier qui s'ouvre à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo marque l'engagement de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP dans un second tournant de son existence. Celui du déploiement du numéro personnel d'identification comme clé d'identification et d'authentification fiable des personnes dans l'accès aux services. Mesdames et messieurs, l'utilisation du numéro personnel d'identification va à coup sûr révolutionner les procédés du service et révéler le potentiel de la dématérialisation pour une plus grande inclusion. L'atelier est financé par la Banque mondiale et ceci à travers le projet OURI, projet d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest. Il y a des services qui exigent des garanties faibles, d'autres des garanties substantielles, d'autres des garanties élevées. En lisant les TDR du présent atelier, nous avons compris aisément que au terme des travaux, certainement, que nous allons déboucher sur une sorte de stratification. Ce qu'attend d'ailleurs le projet pour la mise en service, pour la contribution à travers une pièce que l'ANIP déjà se met déjà même à produire. Je vais parler du certificat du numéro personnel d'identification qui est consacré par l'un des décrets d'application de la loi. Selon le gestionnaire mandataire de l'ANIP, plusieurs structures de l'État manifestent le besoin d'un partenariat avec son agence pour une interopérabilité avec le registre national. D'où l'importance de cette rencontre multisectorielle d'identification et d'évaluation des besoins d'utilisation du numéro personnel d'identification par différents services publics. Si par exemple l'administration a besoin que l'usager dépose un dossier et que dans ce dossier, il y a la quête des données personnelles, nominatives, nom, prénom et autres de l'individu, au lieu de lui demander de fournir un acte de naissance, on lui demande simplement de fournir son numéro personnel d'identification. Et avec ce numéro personnel d'identification, l'administration va elle-même chercher au registre national des personnes physiques les informations relatives à cette personne pour pouvoir lui rendre le service attendu. Il est attendu des participants, entre autres, un état synoptique et descriptif
des types de prestations de services que chaque service rend à la population et l'analyse de la pertinence de l'utilisation du numéro personnel d'identification dans les prestations ou missions qu'accomplissent ces services. La cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin a célébré ce jeudi 30 juin 2022 ses noces de corail. L'événement est couplé avec le lancement de la troisième édition de l'agenda de la CFU Bénin. La célébration de cette double manifestation a eu lieu dans la salle de conférence de l'UNIP à Cotonou. Ali Momouni pour le compte rendu. La cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin face aux défis du moment. Après les deux premières éditions où elles ont réalisé l'agenda physique de la CFU Bénin, ces vaillantes dames du Creuset ont su s'adapter aujourd'hui au numérique. Nous avons voulu le faire pour la troisième édition, mais nous avons frappé à plusieurs portes, mais qui sont restées malheureusement fermées. Nous avons alors choisi l'option du numérique, qui a d'ailleurs révélé toute son importance avec l'avènement de la pandémie de COVID-19. L'agenda numérique de la CFU Bénin est un document de 137 pages téléchargeable sur la plateforme de l'association. Il comporte 9 chapitres qui partent de la présentation des membres au calendrier en passant par les différentes activités du Creuset. C'est un document qui, depuis 2012, promeut le professionnalisme et met en lumière ces femmes des médias qui en font montre. 2011-2022, cela fait 11 ans que la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin a vu le jour. 11 ans dans la vie d'une association, ce n'est pas rien. Le parcours a été riche en enseignements et même sans grands moyens, nous avons voulu marquer cet événement ce soir. Pendant 11 ans de militantisme, la CFU a eu à faire parler d'elle à travers diverses activités et ce grâce à ses équipes dirigeantes et membres qui se sont succédés. La célébration des noces de corail de la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin est couplée au lancement de l'agenda. Occasion pour les partenaires de la CFU Bénin d'apprécier les efforts de la coordination. Je suis sincèrement reconnaissante à la CFU pour avoir réuni les femmes des médias dans un creuset d'échanges et œuvré à leur épanouissement dans le strict respect de sa devise librement choisie. Je voudrais pour terminer inviter la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin à poursuivre ses efforts pour le rayonnement de la presse au Bénin. Le traitement adéquat de l'information transmise à nos populations est de notre responsabilité. Au cours de cette année, la CFU Bénin a organisé plusieurs activités, dont des séances de lutte contre le cancer, la formation des nouvelles adhérentes et bien entendu la formation sur le numérique. Parlons éducation à présent, les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2022, seront bientôt fixés sur leur sort. Les enseignants commis pour la correction de leurs copies de composition sont à pied d'œuvre. Et pour sa part, le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle veut s'assurer que cette phase se déroule normalement. C'est dans ce cadre que Yves Chabikouaro a visité quelques centres de correction retenus dans les départements de l'Atlantique et du littoral. Le point avec Idriss Boukari. Démarré depuis mercredi dernier après la phase des compositions, les travaux de correction des copies des candidats à l'examen du BEPC session de juin 2022 prennent fin ce samedi. Pour s'assurer que tout se déroule sans faute, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a effectué ce vendredi une visite dans quelques centres de correction. Au CEG 1 Alada, l'un des centres retenus dans le département de l'Atlantique, Yves Chabikouaro vient aux nouvelles. Le constat fait sur place laisse conclure que cette phase ne souffre d'aucune insuffisance. Nous avons vu des correcteurs et des contrôleurs qui sont au travail, là, avec toute la concentration requise. Et nous repartons avec un bon sentiment, avec une grande satisfaction.
quant à la qualité donc, du travail qui est en train d'être fait. Le centre du CGE1 à Boumekalavi, toujours dans le département de l'Atlantique, et celui du collège Saint-Hérita dans le littoral ont été également visités par le ministre. La phase de correction est très importante dans le processus d'organisation de l'examen, selon le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Et c'est une phase très sensible parce que nous ne sommes pas autorisés à enregistrer des erreurs de comportement, des erreurs dans le travail qui est fait. Nous sommes arrivés pour inviter nos enseignants qui sont commis à cette tâche de correction au professionnalisme parce que l'avenir des apprenants est justement en train d'être joué ici. Parce que nous voulons que par le travail qui se fait, que nous ayons réellement le visage donc de la qualité de nos apprenants, le visage de la qualité des apprentissages que nous avons pu donner donc à nos apprenants durant tout le processus de l'année. Tout se déroule donc sans faille au niveau des centres d'examen, même si le niveau de stress des candidats monte de plus en plus. Au total, 119 746 candidats ont planché cette année sur l'ensemble du territoire national. Conformément au chronogramme établi par la Direction des examens et concours, la délibération est prévue pour le dimanche 10 juillet 2022 et les résultats seront disponibles sur la plateforme e-résultats. Et pendant que les aînés attendent leurs résultats, les plus jeunes sont déjà fixés sur leur sort. 3 semaines exactement après les compositions du certificat d'études primaires, session de juin 2022, les résultats sont connus. Au plan national, 81,90% des candidats normaux sont admis. Et cette année, c'est le département du Borgo qui porte l'étendard du taux de réussite avec 87,46% contre le département du Koufo qui tient la lanterne rouge. Voici les explications du directeur des examens et concours du ministère des enseignements maternels et primaires. Conformément au chronogramme initialement établi, les résultats sont délibérés aujourd'hui et le jury à l'unanimité a décidé de s'en tenir à ce que les tests disent, l'arrêté au 013. Donc après délibération, les résultats se présentent comme suit. Au niveau national, nous avons 226 576 inscrits, présents 220 427, admis 180 520, taux de réussite 81,90% comparativement à l'année dernière où le taux était de 82,62%, nous constatons une chute de 0,72%. Vous allez constater que le total de nombre d'inscrits au niveau national communiqué par rapport à ce que je viens de vous communiquer ici, il y a une différence de 100. Cette différence-là, ça concerne les candidats à besoins spécifiques. Donc le résultat que je délibère ici ne prend pas en compte les 100 candidats à besoins spécifiques. Ouvrons la page santé à présent pour apporter sa contribution à la réduction des taux de mortalité et de morbidité maternelle, néonatale et infantile au Bénin. L'association béninoise pour le marketing social ABMS a concocté le projet Momentum avec le soutien financier de l'USAID. Le lancement officiel des activités de ce projet a eu lieu ce mercredi 29 juin dans la commune de Sakété. Le compte rendu de la cérémonie de lancement dans ce reportage. C'est ici, dans la commune de Sakété, que l'Association béninoise pour le marketing social, ABMS, a officiellement lancé les activités de son projet dénommé Momentum. C'est un projet financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, pour contribuer à réduire la mortalité et la morbidité maternelle, néonatale et infantile, en veillant à ce que les femmes et les jeunes et accès aux soins sanitaires de qualité. Au regard des indicateurs de décès maternel et néonatal encore élevés au Bénin, le projet va couvrir 10 zones sanitaires dans 17 communes du Bénin. Aujourd'hui, plus que jamais, il est important de renforcer l'offre de services de santé de qualité centrée sur le client, où et quand il le désire. Avec Momentum, nous contribuerons à cet objectif de plusieurs manières.
En augmentant la disponibilité et l'accès aux produits et services de qualité à un coût abordable au niveau du secteur sanitaire privé, en soutenant activement le partenariat entre le secteur public et privé afin que le système de santé global soit plus performant, en assurant les services mobiles de proximité pour les personnes qui n'ont pas facilement accès à la planification familiale ou aux soins de santé maternelle et infantile, en soutenant les centres de jeunes, les organisations des jeunes, les groupes communautaires, en utilisant les médias sociaux pour que les Béninois aient des informations sur les soins de santé et puissent atteindre leurs objectifs de santé. Fidèle à sa mission d'appuyer le gouvernement du Bénin pour réduire les décès évitables parmi les populations, l'USAID a accordé à ABMS PSI un financement destiné à renforcer globalement le secteur sanitaire privé. Ce financement est orienté vers le secteur de la santé maternelle, néonatale et infantile et la planification familiale. Face au bilan mitigé des soins sanitaires, la mise en œuvre de ce projet vient en appui aux efforts du gouvernement dans ce secteur. Et c'est ce qui a motivé le représentant de l'Agence nationale des soins de santé primaire à dire son merci aux acteurs du projet. Combien d'adolescentes et de femmes adultes enceintes sans pouvoir s'offrir un service de consultation prénatale et postnatale de qualité? Les efforts du gouvernement sont fort louables, mais les défis sont encore énormes. C'est pourquoi nous saluons les initiatives des promoteurs des cliniques privées pour leur inestimable contribution à la prise en charge des besoins de santé au niveau de la population. Ce projet va durer 16 mois pour combler les attentes des populations en matière de l'offre des soins sanitaires au Bénin. Restons dans le registre santé pour parler du projet Partenariat mondial pour l'éducation PME Bénin. Ce projet conçu pour riposter contre la COVID-19 dans le secteur de l'éducation est venu à terme le 30 juin 2022. C'est le moment pour toutes les parties prenantes de faire le bilan des 18 mois d'activité dans les écoles. La séance de travail s'est déroulée à Bénin Royal Hôtel de Cotonou. Reportage. Atténuer l'impact du coronavirus dans le secteur de l'éducation, c'est la mission du projet Partenariat mondial pour l'éducation PME Bénin. Un programme mis en place pour combattre la COVID-19 dans les écoles à travers des opérations de lavage des mains, de port de masque et bien d'autres activités menées pendant 18 mois. Toutefois, les enquêtes ont révélé quelques dysfonctionnements qui méritent d'être soulignés. Il s'agit entre autres du relâchement de la pratique de lavage des mains et autres mesures barrières par les apprenants après quelques mois. Par exemple, le non-respect de la distanciation par les apprenants des écoles primaires et secondaires a baissé de 6 points. Du regard de la société civile et malgré les dysfonctionnements relevés, la coalition béninoise des organisations pour l'éducation pour tous, Par ma voix, peut affirmer que le projet PME Bénin en réponse à la COVID-19 a atteint globalement ses objectifs. Après plus d'un an et demi d'activité sur le terrain, l'heure est au bilan. Les responsables du système éducatif béninois félicitent tous les acteurs impliqués dans le processus pour les performances et résultats enregistrés. C'est le lieu de rappeler également que ce financement d'un montant global de 6,85 millions de dollars US environ est destiné au renforcement des efforts engagés par le gouvernement dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la pandémie sanitaire de la COVID-19, spécifiquement dans le secteur éducatif. Le taux de mobilisation des ressources de la banque était de 99,99%, soit une amélioration de 21,1 points de pourcentage par rapport à la situation de février 2022. Nous sommes sur la bonne voie. Ne lâchons donc pas prise. Dans la logique d'une veille permanente, l'autorité ministérielle a exhorté toutes les parties prenantes à maintenir le cap pour l'atteinte d'autres résultats probants afin d'éloigner le virus du SARS-CoV-2 des écoles.
Et pendant ce temps, le Centre national de sécurité routière continue sa croisade contre les cas de décès dus aux accidents sur nos axes routiers. Il a procédé à cet effet à une cérémonie de distribution de casques homologués au syndicat des conducteurs de taxi-moto et des étudiants de la ville de Porto Novo. La cérémonie a précédé d'une sensibilisation sur les règles et normes de la sécurité routière. Suivant. Plus d'une soixantaine de casques homologués au profit des ONG et groupements des usagers de la route, notamment les conducteurs de taxi-moto et les étudiants de la ville de Porto Novo. Ce don est issu de la coopération bénino-marocaine et entre en ligne de compte de la campagne de sensibilisation des usagers de la route sur la nécessité du port de casque en circulation et sur le respect du code de la route. C'est une sensibilisation initiée par le ministère des Infrastructures et du Transport et dont la mise en œuvre est assurée par le Centre national de sécurité routière en vue de réduire les pertes en vies humaines en cas d'accident sur les axes routiers. Vous saviez, dans tout le monde, les accidents font près de 1,3 million de morts par an. Et quand vous ramenez ça au niveau de notre pays, surtout au niveau du Bénin, nous sommes à 2 tués par jour. Nous avions une douzaine de blessés par jour. Vous comprenez avec nous que nous devons nous renforcer pour que les sensibilisations continuent. La vision telle que nous avions retracée, c'était de servir de modèle, pas la représentation. C'est-à-dire que les conducteurs de taxi-moto qui sont ici, les étudiants qui sont ici, il ne s'agira pas pour vous de garder les casques, de ne pas les porter ou bien de les utiliser comme des outils d'ornement. Nous nous sommes engagés dans la sensibilisation pour qu'on puisse quand même faire réduire les taux d'accidents qui impliquent les conduites à deux roues. Et pour atteindre les objectifs qui sous-tendent ce don, les organisations récipiendaires vont prendre le relais de cette sensibilisation pour impacter tous les motocyclistes de la ville de Porto Novo. Le casque sauve et sauvera toujours ceux qui en portent. Quant à nous-mêmes, responsables d'ONG qui avons reçu les casques aujourd'hui, doivent davantage descendre sur le terrain pour sensibiliser. Parce qu'aujourd'hui, de nouvelles infrastructures routières qui ne sont pas comme les anciennes qu'on a connues. Donc, il ne faudrait pas que les gens en profitent pour faire l'excès de vitesse. Il y a des étudiants qui mettent les casques entre les jambes ou bien sur les phares de la moto. Et c'est quand ils aperçoivent la police qu'ils mettent juste pour traverser la police. Ça, c'est un mauvais comportement. Le casque est porté pour notre propre sécurité. La présence de la police ne doit pas conditionner le port de casque. Le port de casque doit être permanent. En dehors de la ville de Porto Novo, trois autres villes, dont Cotonou, Abomey-Calavi et Parakou, ont bénéficié du même geste au regard de leur forte concentration de motocyclistes. Nous allons à présent lever les rideaux pour la deuxième édition du Festival Rire avec Ariel qui connaîtra son épilogue dimanche prochain à travers un grand spectacle de restitution. L'événement sera animé par les enfants participant à cette formation qui vont démontrer devant leurs parents et le public tout ce qu'ils ont appris au cours du festival. Avec les coachs humoristes mobilisés, il est question d'enseigner aux enfants comment parler en public, faire de l'humour et maîtriser le stress. Suivant ici Ariel Vito, promoteur du festival Rire avec Ariel, il sera suivi de l'artiste humoriste comédien Le Chromosome. Rire avec Ariel 2, c'est un festival que j'organise chaque année. Je l'ai commencé l'année passée. Ça consiste d'abord à former des enfants de 10 à 15 ans aux petites techniques de base de l'humour stand-up pour devenir des orateurs, prendre la parole. Et moi, j'ai voulu faire ce festival-là pour apprendre à mes camarades que c'est possible. Que si moi j'ai 13 ans, je l'ai fait, eux aussi ils peuvent le faire. Et ça va se passer pendant une semaine, du lundi au samedi. Ce sera la formation. Et le dimanche 3 juillet, ce sera le spectacle de restitution. Donc, le dimanche proprement, on va faire un patchwork. On va essayer de montrer et quelques activités qui ont été faites. Et après, nous allons continuer avec les sketchs qu'ils ont préparés, les sketchs solo qu'ils ont préparés. Ils ont préparé également des sketchs de groupe. Après, Ariel.
va donner 10 à 15 minutes de masterclass pour montrer que, ok, pour montrer à tous les parents qui sont présents, j'ai 13 ans et regardez ma prise de parole. Regardez mon assurance, regardez mon débit, je peux le faire, je peux faire rire parce que c'est technique. On n'est pas humoriste, on est drôle. Mais l'humour, c'est un métier, ça s'apprend. Et Ariel a appris à faire l'humour. Donc, les gens ne savent pas, les gens, Aziza Nyeyi et Jimmy Moore. Non, l'humour, c'est pas comme ça. L'humour, c'est une science. Et ça obéit à des règles, il y a de la technicité. Le spectacle va se passer à Azalaï Hotel de la plage, à partir de 16h30. Et le ticket d'entrée, c'est à 2000. Et c'est le point de vente de tickets, c'est à Fitrosefin Pavé, la boutique Lus Glamour. Maintenant, si c'est que vous n'avez pas les tickets, vous pouvez venir là-bas et vous payer avant d'entrer. Voilà. L'appel que j'ai, c'est de demander aux parents de venir. Et de parents, en venant, de venir avec leurs enfants. Parce que ce que nous voulons faire, c'est véritablement montrer que c'est possible. Pour que eux et les enfants soient convaincus directement de la garantie qu'un tel projet porte en lui. Voilà, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bon début de week-end à toutes et à tous.